Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de The Witcher 3. Alors j'ai rebaissé un peu le volume du son, j'ai essayé de remettre ma voix le plus haut possible parce que visiblement on m'entendait peu. Je visiterai bien cette île avant d'aller plus loin. Donc on va se faire un tour avec ma blette. Hein. Moins vite. C'est pas ici. Voilà, hop là. Ah, c'est un peu plus haut. Longeons. Comme ça, si on trouve un noyer ou deux, je peux finir. Ah. Oh là. Ça a l'air qu'il m'a l'air fort intéressant. Ah, formidable, vous savez, il m'en fallait. Il m'en faut encore un autre comme ça, tiens. Ah, mais par contre, bon, au moins on y voit quelque chose, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Et s'écoute pas une journée sans qu'il flotte. Alors, pour la quête principale et pour le bien de la quête principale, j'ai un objet de quête à fabriquer. Huile contre les vampires améliorée. Admettons. Contre les vestiges. Admettons. Quête! Ça. Objet de quête. Équipe vélo, vous déplaçant dans un emplacement du pied de l'inventeur, puis sélectionner. Maintenant la touche. Je sais plus pourquoi, mais on l'a en tout cas. Au moins il est fait. Si je mets mes herbes. Si je mets mes herbacées, au moins ce sera fait. Ok. Qui est pas en ruine ici, parce qu'on joue toujours dans un Elder Scroll, hein, c'est impressionnant. Elder Scroll, je crois qu'ils ont inventé la guerre juste pour éviter d'avoir affiché trop de pixels à l'écran. Sur des vides, on dit que les grandes villes elles sont plus petites. C'est verrouillé. Et normalement, un petit coup de guac, hein, Oh. Attention, des lâches ont déserté Perchefreux et formé de petits groupes de coupes jarrets qui rôdent désormais dans les environs. Si vous voyez dans la région, soyez sur vos gardes. Il manque un O si vous en voyez. On ne voit rien du tout. C'est impressionnant, mais pas très intéressant. On voit Kuchi. Ah, il y avait un pont, ok, qui rassemblait les deux côtés. Ok, ça devait être joli avant que ce soit pourri. Oh, un rayon de lumière. Oh. Allons à notre fameux joli village qui nous attend. Un peu en rap parce que on chercherait ça. Il n'y a pas tellement. On passe ici. On passe large. Excellent. Début biche. Très bien. C'est fouillé. Ouais, on va se diriger vers l'autre bâtiment en ruine suivant. C'est vraiment une région extrêmement intéressante. Hein.
sale bête qui vit ici a choisi un drôle d'endroit pour sa tanière. Ah. J'ai raté la quête. C'est contrat de sorceleur, je suppose. Ah oui, 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 cassez-lui. La veuve joyeuse. Parlez au fossoyeur. Oh, peut-être dû parler au fossoyeur avant. La créature utilise des outils. Elle est donc intelligente. Ou au moins habile. Quelqu'un a cuisiné. C'est un fémur humain. Un fémur d'enfant. Des crânes humains dans un cercle magique. Le monstre les utilise pour puiser des forces du site d'énergie. Sûrement un vieux nôtre sépulcral. Elle utilise les crânes pour puiser l'énergie. Cela l'a rendue suffisamment sûre d'elle pour s'aventurer au village. Je dois prendre les crânes pour l'obliger à retourner au cimetière. Je lui tomberai dessus là-bas. Très bien, prenons les crânes. Pour l'obliger à rentrer au cimetière. Voilà qui devrait l'énerver. Il ne reste plus qu'à patienter au cimetière. Elle s'y rendra sûrement à la nuit tombée. Très bien. On y va. Y'a un trouillou là. Je crois que c'était pas très important. Ok, ça a l'air d'être le cimetière ça. J'essaie de voir si on peut décrocher les infos. Sale voleur qui pique mes crânes. Mes crânes à moi. Il a qu'à déterrer les siens. Et... la voilà. Ah, intéressant ce que tu fais, meuf. C'est insuffisant. Ton niveau est insuffisant, petite créature. Niveau insuffisant, en fait. Hein. Hey, va te calmer, oui. Crève, bordel. Oh, yonk. Mais ton niveau était quand même insuffisant. C'est ce qui a raclé de ma vie, mais ça va. Bolesso est quand même plus fort que le basilic. Hein. Du doux nom d'Estragon, je rappelle. Maintenant, je lui ai donné un nom, il s'appelle Estragon, le basilic. Bon, on a mal à la gueule, il est minuit. Moi, je propose de se mettre à peu près au chaud avec les morts. Et puis, faut pas allumer cette petite bougie là. Ah. Convivialité est toujours de rigueur. Invitons les gens à se rendre au cimetière à minuit. Ce n'est pas du tout dangereux, surtout dans le monde du Witcher. Tout va bien. Patientons jusqu'à l'aube. Ah, c'était fort agréable. Nous avons veillé les morts, et un beau jour s'est donc levé. Ah, Blette, tranquille, t'es sereine dans les cimetières. Elle en a plus rien à foutre, la Blette. La blette, elle en a cure. Waouh! Il est joli votre pendentif!
Tiens. Je viens pour le contrat. Ça allait traquer le monstre? J'ai aucune idée de sa nature, notez bien. La nuit, une bête rôde dans le cimetière. Il y a aussi un gamin du village qui a disparu. Mais qui a fait le coup? J'en sais bien rien. C'était une guenote sépulcrale, installée à proximité. C'était? Vous voulez dire qu'elle est déjà morte? C'est un rapide, dites-donc. Et ma récompense? Oh, j'ai pas oublié. Tenez, en vous remerciant pour le coup de main. Adieu. Boum! La veuve, qu'elle est joyeuse. Allez! Bonjour, William. Laissez-moi donc dépouiller votre maison. Vous n'avez besoin de rien ici. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Je vais dire un truc au-dessus de vos têtes. Wow. Merci, la convivialité. Alors non seulement c'est rigolo de faire de la convivialité, mais c'est également pratique puisque ça permet de savoir quelle maison j'ai fouillée. Si jamais je tourne en rond. Ce qui m'arrive assez régulièrement. Je vous cache pas. Je sais pas que ça m'arrive. Oui. Oh c'est triste hein. Oh là. Mon dieu hein, c'est vraiment... Certains disent même que c'est dommage hein. Oulala là là. Faut arrêter de chialer tout le temps là, c'est incroyable. T'as pas l'air en forme. Tu te sens pas trac. J'ai déjà fouillé ce village de clodo. C'est mon frérot qui hante mes rêves. C'est vous. Tous des bandits et des pleutres. Vous aimez les criquets? J'ai déjà fouillé ça. La chasse sauvage leur est tombée dessus parce qu'il est... Ah oui, j'ai oublié. Bonjour. Non, mais j'avais déjà... Ah d'accord, j'avais oublié une maison. Comme quoi, on va éviter de fouiller de nuit. Ah, des choses écrites. On prend tout. Je crois qu'il y a écrit que le fromage de chèvre est bon. C'est pour. Bonjour. C'est pour quoi? C'est pour coup. Vous avez des articles là? Blague de Witcher aussi. Hein. Vas-y, je prends tout. Hein. C'est quoi ton machin là? Pierre a aiguisé elfe. Vas-y donc. Bon, celui-là, à chaque fois, il me dit faut le racheter, faut le racheter. Bon, bah, ça y est, c'est bon, il est racheté. Sous le pas le monde. Ouais, il prend donc un tas de choses. Ah, mais cette armure m'a l'air fort bien. Ouais, très bien même. Celle-ci, nul. Pareil. Alors, pas thug, mais beaucoup plus d'armure. Donc, pas mal aussi. On va encore garder les mêmes pompes pour l'instant. Ce marchand est déjà pauvre. C'est très embêtant ça. Je peux pas me racheter genre je sais pas, un peu de viande crue. C'est bon la viande crue pour ce que t'as. Tiens. Ah, ça coûte déjà trop cher le poisson. Et ben des bisous ma gueule hein. Bon. Voilà. Tavernier. Serre-moi donc de quoi picoler après que je sois monté. Je l'avais pas vu ça de nuit. Oh là là, un coffre que j'avais pas vidé. Incroyable. C'est moi ou j'ai jamais des trucs en double? Pourtant la veste de loup supérieure, je crois que je l'avais déjà. Hein. D'abord c'était les armées, après il y a eu la peste, et maintenant c'est la famine. Bonjour. Aubergiste, est-ce que ça auberge bien? J'ai très volontiers un coup d'œil. Oh, un homme avec des torches. Très très bien. J'aime cet homme si délicat. Voilà. Ça par contre on peut lui vendre. Ça également, ça aussi, ça aussi. On voit tout ça là. Voilà. Une potion de toute façon il n'achètera rien. Ça il n'achètera rien.
Il est déjà bien assez riche comme ça. Et il n'achètera rien d'autre. Bon bah salut ma gueule. Hein. Bon vin. Que le vent te soit. Hop là. S'il voit quelqu'un qui transporte. J'ai vu qu'il y avait un forgeron. Voilà. Vous aimez les criquets ? Les machins ou les abattoirs ? Salut à toi, forgeron. Toutes sortes d'armes de. Ouais, je t'ai déjà collé une pile au Winton, hein. Ouais. Ouais. Montrez-moi vos. Ça c'est nul. Anathème. De chance quand même de coller une incinération, c'était quand même sympa. Hein. Pour cent de chance sous critique, c'est quand même très très beau. Mais bon, faut pas oublier que la mienne est extrêmement dégradée et elle est bien meilleure que celle-ci. Il a déjà plus de thunes, l'autre con là. C'est un enfer ça. Il a déjà pu tuer. Ah d'accord, j'allais m'énerver, j'ai dit attends, ils achètent pas les carreaux. Ils achètent pas les. Ils achètent rien quoi. J'allais m'énerver. Non, j'ai besoin que tu répares. Tout. J'ai dit tout. Bien et voilà toi. Et maintenant j'ai besoin de te vendre d'autres choses. Ah voilà. Ça. Alors, 5 bonus hein, en tuant des non-humains, c'est pas... en tuant des monstres. Bonus de 5% d'or. Et lui, il a l'air de me dire, vous ne pouvez pas vendre cet objet, trophée de Brumelin. Je ne saurais vous dire, trophée de Weaver. Ok, bon, on va vendre une, hein. On a pas besoin. Des conneries. Et je peux te vendre beaucoup de conneries. Ce que je vais pas hésiter à faire. Oui, car je sais que tu vas voir n'importe quel forgeron et en fait il te vend ce dont t'as besoin. Oui, bah vends-lui des merdes, je sais pas. Vends-lui, voilà, une connerie comme ça là. Voilà, il est sec. Parce que j'en ai marre d'être pauvre en fait. Adieu. Attendez, je me suis dit, bon, je vais peut-être vendre le 1 million de stuff que j'ai en réserve. Inventaire, j'ai néanmoins besoin de changer d'armure. Boum, je ne suis plus un clochard. Par contre, je suis un peu de plus en plus Nilfgaardien. Voilà, je vais avoir un Quen un peu béton, c'est bien. D'ailleurs, personnage. Ouais, il y a ça que je veux. Et mon bouclier explosif sur mon Quen. Très bien. On fait une sauvegarde parce qu'on n'a pas toujours envie de se retaper des marchands et compagnie. Là on va quoi ? Cap de Skellige. C'est pas le projet. Hein. Comme tout de suite, Cap de Skellige, c'est pas du tout le projet. Le projet, c'est de finir d'exterminer ce qui traîne dans la région. On va faire une coulée sur la droite. Voilà, jusqu'à n'importe quel moment, on pourra revenir ici pour faire les petits points qui traînent dans le coin. Nous verrons bien. Quoi qu'on pourrait quand même aller se faire celui qui est en pointe, là. J'avoue, non. Non, j'ai un lit. Non, j'ai... Je suis fatigué. J'enverrai mon mari ici. Il y a certainement peut-être quelque chose. Wow. Il y a mon machin là, point d'interrogation.
est au beau milieu de la mer, là. C'est encore un peu slow. Je suis extrêmement calme. Putain de guerre. C'est parti pour se prendre des dégâts gratos. Quoi, verrouillé? Ah, faut prendre la clé sur le mec. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré comme couteau? Est-ce qu'on a récupéré un couteau là? Couteau à beurre. Ça. La lame lunaire. Ça, ça commence à être intéressant. Parce que même si je perds 2 de dégâts, ce qui est ridicule de dégâts, je gagne énormément de choses, et entre autres des emplacements de cailloux. De cailloux qui brillent. Chance d'infliger des saignements, c'est pas mal. C'est pas mal, moi j'aime bien. Fiche plutôt fun de l'intensité des signes en général. Et 3% de dégâts supplémentaires, bam, et on fait autant de dégâts que mon autre couteau là. Voilà. C'est juste ça en fait. Yes, je peux monter sur Weblette, merci. Ok. Et ben on a réparé un couteau pour le remettre à la poubelle, c'est trop bien ça. On perd de l'argent tout le temps. Heureusement qu'on escroque un peu les gens de temps en temps, parce qu'on gagnerait rien. Un campement de bandits, formidable. Messieurs, ça fait longtemps que j'ai pas tué des gens gratos. Hop là! C'est pas vrai. J'étais sale. Mais néanmoins inutile. Et néanmoins inutile. Pas mais. Où est l'argent? Ah! Ah, ça c'est pas de l'argent ça. Quoi que si, d'une certaine manière. Ravivons la flamme de cette nation éteinte. C'était poétique, hein. C'était gratos, au choix. Un pantalon de Zouk Machine. Fort intéressant, voyez-vous. Fortement très intéressant. Hein. Je tiens à préciser. Et puis de l'ignition, hein. Toujours un peu d'ignition. Après, par pur confort, on va faire le tour de la tour. Voir si on aurait pas déposé un truc derrière, tu vois. Un petit gars un peu marrant, tu vois. Un mec qui a voulu doubler son chef, tu sais. On sait jamais, quoi. On sait jamais. Mavelette. Alors. Continuons notre incroyable épopée. Allez, dans les marais. Enfin, au bord des marais, là. On va y rentrer dans 2 secondes. Pourquoi ils ont mis des murets?
du nerf à Blette. Pas de bruit. Il y a quelque chose mais qui ne fait pas de bruit. Qui fait du bruit mais qui n'en fait pas. Des déserteurs, excellent. Oh le salaud. Oh pas mal. Oh beaucoup d'archers. Et comment tu arques maintenant? Sympa votre ragoût au crabe. Ah, je me serais bien faire un ragoût au crabe du coup. Oh, on s'arrange ça. Pas de mal, mon gars. Des carreaux à fragmentation, intéressant. Très content que ce soit de simples bandits. J'adore les bandits. Ils donnent du bon loot et ils sont gratos. Je les adore. Un site abandonné. Qu'est-ce qu'on a vu là comme bestiole? Des renegades? Tu es un bandit? Est-ce que c'est un autre nom cocasse pour dire bandit? Là vous avez des trucs cocasses. Alors on va les trier. On va tirer. Manque de préparation, on va les trier. Hop là. Impressionnant chef hein, ce que tu fais hein. Finissez. Je vois rien chef. Arrête de me battre. Oh, je vois que dalle. Merci pour la caméra. Voilà les gueux, œuvrez pour votre nouvel empereur maintenant. Et n'oubliez pas de payer vos impôts. Vous auriez pu me lâcher une pièce, bande de crevards. Bon, c'est vrai que je me suis surtout amusé à éclater des bandits, mais quand même. Ça n'arrive pas gratuitement normalement. Et moi ? Je pourrais devenir sorceleuse. Uniquement Ciri. Parce qu'ils avaient décelé déjà un potentiel de bonus. Voilà, c'est juste pour ça. C'est pourquoi? Pour acheter des vous avez des armes. Bah, finalement, j'ai plus besoin d'un alchimiste en fait. Tu peux acheter des tas de produits, mais est-ce qu'on a vraiment envie de te vendre des trucs? Non, il n'y a pas de bon. Comment peut-on vivre au milieu de cette foule, de ce goût, de cette pureté? Convivialité. Je vous fais les poches, certes, mais sous le signe de la convivialité. N'en doutez pas. Bonsoir, madame. Qu'est-ce que vous faites? J'essaie d'ajouter un peu de convivialité à votre foyer. Et ça rime, madame. Comment peut-on vivre au milieu de cette foule? Lumière! De cette culte. Action! Ah, je trouve ça très drôle. Probablement ma meilleure vanne depuis Aziz Lumière. Le pire bonhomme du monde. Incroyable. Le mec a détruit l'image du Witcher. Comment bousiller l'image du Witcher maintenant? Ça m'a fait plaisir.
Bonjour. J'ai très volontiers. Mais bon. Ah non, tu vends vraiment de la merde. Mais bon, tu vas me permettre de te vendre mes couteaux? C'est tout. C'est ce qu'il faut se dire. Ah, on n'a pas un truc qui vaut 5 balles? C'est bien dommage. On a peut-être quelque chose qui vaut 5 balles par ici. Ça vaut combien ça? 11 balles. Tiens. Ah non, ça vaut même plus cher ça. Intéressant. Y'a pas un truc qui vaut 1 dollar là? Tout commence à coûter cher ou c'est quoi l'histoire? Voilà, c'est bon. Allez, salut. Bon vin. Au revoir, paysan. Que futur cadavre. Ouais, allons voir ce village. Prenons la blette. Pas toi, s'il vous plaît. Est-ce que c'est je t'ai vu, Avizima. L'arbre impérial. Oui, je te le dis. Allez. Tout le monde s'en fout de ton avis. Pourquoi qu'on que tu es un paysan. Voilà. Ah, pousse-toi, paysan. Bon, on va couper, hein. Oh, c'est bon, il y a un chemin qui allait. On arrive à Lurch. Encore un village avec une... Moins vite. Ah, la bidoche est quasi cuite. Il manque plus grand chose. Sauvez Yagoda. Je vous en pas par ici. Par là. Chopez-le. Incroyable. C'est encore un lien. Bravo. Il manque plus ma Yagoda. Voilà un festin de roi. Où avez-vous trouvé cette viande? Il y avait des cochons un peu partout, alors. On s'en est rôti. T'en veux un morceau? On a de quoi faire. Avec plaisir. Hé, hey, Caius, taille un bout de viande au monsieur. Non, pas possible. Ils m'ont rôti ma Yagoda, les saligots. Oh, encore lui. La première tannée t'a pas suffi? Que se passe-t-il? Ils ont massacré ma Yagoda. Puis, ils l'ont fait cuire. Des saligots. Et c'est reparti. Il va la voir, sa raclée. Caius, Jacob, empoignez-le. Non, je veux pas. Au secours. Il ne vous a rien fait. Laissez-le. On cause gentiment. On t'offre du cochon rôti. Et c'est comme ça que tu nous remercies? On n'a pas d'ordre à recevoir. Bastonnez-le, les gars. Oui! Un débat vite! Level 5, non, c'est sérieux, dégage. On aurait pu leur mettre leur petit prénom au lieu de les appeler juste bandits. Hop là! Tu n'étais pas prêt? Please! Hein. Tu es blessé? Oh. Non, mais Yagoda, misère, je l'ai rôti. C'était le grand amour avec ce cochon. Qui vous êtes? Geralt de Rive. Moi, c'est Yontek. De par ici, quoi. Tu vis seul dans ce village? Non, ils sont tous à la maison. Fla, Pagel, Bébon, manque Klaus et Igor, disparus. Klaus et Igor? Igor, c'est l'idiot qui broute les plantes. Puis Klaus, ben, c'est les gens. Tout le monde connaît Klaus. Mais où qu'ils sont rendus, j'en sais rien. Un coup de la magie des cochons, bien sûr. Les cochons sont magiques? Et comment? Voyez-vous-même. Entendu. Je vais inspecter les cochons. Chouette, alors. Formidable. Suivons cette quête. Ça me va. Cette quête a l'air formidable, ça parle de peur. Allons donc voir Monsieur Peur. Probablement ma meilleure blague depuis Boulot de Lumière.
Le mec le plus détestable du monde. Incroyable. Excuse-moi, je me régale. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait le coup. Dans un let's play. Un cochon. Hello. Oh, je sens que les cochons sont des gens. Je me demande s'ils l'avaient pas déjà fait celle-là. Pardon, monsieur Power. Non, c'est monsieur Power. Là, j'aurais pu faire une sieste. Les cochons, un sieste. Sieste de méditation jusqu'à l'aube. Il faut toujours une bonne nuit de sommeil. Des cochons ordinaires à première vue. Sauf que mon médaillon s'emballe. Yontek a raison. Il y a de la magie dans l'air. Yontek ? Ouais ? Excusez-moi le petit verre d'eau. À propos des cochons. Les cochons, ils sont bel et bien magiques. Bah oui, à cause de la sorcellerie. C'est pour ça qu'ils sont comme ils sont. Mais ces cochons, ils étaient humains avant. Ben oui. Vous pensiez quoi? Faut les aider à être comme avant. Qu'est-ce qui a changé les gens encore? C'est de la magie. J'ai donné la clé à Igor. Puis il les a tous emmenés. Et à quoi sert cette clé? Celle-là? Bah. Elle ouvre la cochonnerie, pardi. D'où vient cette clé? C'est moi qui l'ai trouvée. Je l'ai montrée à Igor. Puis, il a dit à tout le monde d'y aller. Et là, pouf! Transformé. Je dois aller jeter un œil à cette... cochonnerie. Où est-elle? Bah, par là. Derrière la colline. Faut marcher, et puis marcher. Et on y est. Compris? Je trouverai. T'as l'air d'être affûté comme un manche de couteau, toi. C'est le génie de la bande, hein. De la droite, on crache. Puis on remet ça. Et les cochons. Je fais un petit ramassage, les porcs. Hein. Votre mot à dire, hein. Hey. Hop là. Ah, les fameux trucs qu'on peut pas prendre parce qu'ils ont été trop mal placés dans le jeu. Bravo. Bravo, bravo. Ramenons un peu de convivialité dans cette maison vide. Voilà. Allez. Tirons-nous d'ici. Convivialité, je vous prie. Voilà. Convivialité et beurre de karité, tout ce qu'il nous faut pour faire une bonne soirée. Et des cochons, bien sûr. Donc, la cochonnerie, il faut marcher, c'est par là. On est lancé. On est à fond. On est au taquet. On n'en peut plus. Chargé. Alors, des Black & Decker, mais elle est loin ta porcherie, là. C'est quoi cette histoire, là? Ah ouais! Ah ouais, 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 ouais! Bon les déquerres, hein. Je vais me faire une pause sur vous là, ramenez-vous. Hop là! Hop là! Pas mon épée en argent. Pas mon épée en argent. Qu'est-ce qu'il y a dit sur mon épée en argent? Très bien mon épée en argent. Hop là!
Hop là, hop là. Hop là. Et hop là. Tout de style. Je commence à avoir une bonne barbe de vieux. Parfait. On commence à sentir que ça fait trop longtemps que je suis dans le marais. Tiens, progressons. C'est très agréable comme distraction ceci. Ah oh. Ben voilà. Je vous montre où je suis sur la carte du coup quand même. Il y a genre un trésor, juste là où je suis. Voilà. Donc en référence, c'est le petit bout de colline de craie là. On par là. Voilà, ça me fait plaisir. Comme quoi des fois, hein. Il vaut mieux couper tout droit. Hein. Les chiens. Les chiens. Les bandes de tue. Ninja! Ouh. Ninja! Ah ouais, j'ai des mal. J'ai mal ninja, mais bon. Saleté! Oh, saleté, c'est des bandes toutous. Aïe! 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 Le carreau. Vénère le mec. Des gueux. Venez donc, gueux. Venez, paysan. Ah, il avait même pas de pantalon, je ne sais pas pourquoi je l'ai tué, il faisait trop pitié. C'est pour ça. C'est ça ta cochonnerie? Je suis dupe et tatif. Mais certes. Quel gueux d'autre se cache derrière? C'est moribond. Ça va de mal en pire. De mal en pire. J'aime pas ça. Passe-moi un truc lourd. La porte est bloquée. Qui est là? Merde. Bah moi. Soignez-le. Alors que c'est juste une illusion. C'était pourtant évident. La clé de Yontek est la bonne, on dirait. Alors, dimensionnellement magique. Intéressant. Allons-y. Beaucoup de gens sont passés ici. Avec quelque chose de lourd. Après, non. C'est bon, je suis bien. Après, on se rappelle que j'avais des torches. Donc, il faut que j'aille dans mon inventaire de mémoire. Je sais même plus où elles sont. Je ne sais même plus où c'est rangé les torches. C'est où ? Non, elles sont là, elles sont en bas. Ah, elles sont avec mes lanternes. Ah, mais j'en avais déjà, putain. J'en ai 8. Ah, super. Voilà, on y voit quelque chose. Plaisir. Ah, tiens, tiens. Un bric-bric musique.
Le médaillon vibre. Ce cochon aussi doit être du village. Une seconde. On aurait juré. Tu me comprends ? Discussion avec un porc ? Parfait. Essayons quelque chose. Un gruik pour oui, et deux pour non. Entendu ? Bien. Parlons un peu. Selon Yontek, seul manquait au village l'herboriste et l'échevin. Tu es donc l'un d'eux. Tu es Klaus ? L'échevin du village ? Tu es l'herboriste local ? J'ai entendu parler de toi. Igor, c'est ça ? Enchanté. Moi, c'est Geralt. Tu connais cet endroit ? C'est une tombe ? Hein ? Nous sommes dans un temple ? Attends ici, je fais un tour. À plus tard. Reste tranquille, monsieur Port. J'arrive. Laissez faire les professionnels, comme qu'il y a l'autre. Ça reste des vêtements de Klaus. D'Igor. Plusieurs personnes sont venues ici, et une sacoche d'elles ont sorti quelque chose. Ça appartient sûrement à Igor, l'herboriste. C'est un trouillot, mais c'est un trouillot avec un coffre. Faudra donc y songer. La cochonnerie. Je comprends mieux maintenant. Alors bon, ça c'est valable dans tous les univers. Quand vous voyez un cerf, faites le tour. Ah. Ah oui, certes, un monsieur porc géant. Une pièce d'or au fond. Vous devez entreposer de l'or ici. L'or des fous. Pauvre fou. As-tu tenté de racketter une pièce d'or ? Bon, du coup, je passe au milieu, tout le monde s'en fout. Intéressant. C'était ouf. Okay. Point d'autre chose. Point d'autre chose. Très bien. Dis-moi, monsieur Port. Voilà. J'ignore depuis combien de temps tu es ici, mais tu dois avoir faim. J'ai une friandise pour toi. Monsieur Port a l'air content. On dirait. Bon, bah, discutons. Bien, parlons un peu. Où est l'or ? Il y avait de l'or ici. Tu sais ce qu'il est devenu ? Il faut que j'aille en parler à Yontek. Je crois savoir ce qui s'est passé. Nous sommes dans un temple. Et il y avait ici un bassin rempli d'or. Yontek trouve la clé, la montre aux villageois. Comme ils sont cupides. Hélas, personne n'a songé qu'une malédiction protégeait l'or. Et donc, pour la lever, il va falloir restituer l'or. Je vais devoir demander à Yontek. Il sait peut-être où il se trouve. Transformation ressemble à une sale blague. Ou à un sort mal ficelé qu'on aurait lancé avec les pieds. Elle est trop cool cette petite quête. Cette petite quête de cochon là, elle est cool. Moi j'aime beaucoup, je suis trop fan. Alors, par contre, le voyage va encore être long. C'est parti.
J'espère qu'ils m'ont remis des bandits, des cochons, des trucs et des machins sur la route, hein. D'ailleurs, faut aller par là. Mais soit, excuse-moi. On va y aller à coup d'ablette, hein. Parce que. Ouais, sinon, c'est un peu long. Autant la terminer, hein. On est à 50 minutes, dans, allez, dans 5, c'est terminé. Trésor caché. Bon, on repassera, hein. Salut, hein. Non, mais on repassera, j'ai une quête à terminer, hein. Je vous jure, je reviens, hein. Plus vite. D'ailleurs, il y a plein de choses que j'ai pas fouillé là. Cette zone elle a pas été fouillée. Ah mais on n'est pas du tout au village, c'est ça, hein. Ben, si on y est. Je sais pas du tout. En fait j'ai juste fouillé les maisons principales. Oh, il fait mal toujours les portes, ça m'énerve. Quoi, on verrouille des portes de moulin. Débilus, crétin, pas des portes de moulin. Alors ça, pour ceux qui se poseraient la question, normalement c'est une coquerie. On s'en sert pour faire du charbon de bois. Normalement, enfin, peut-être que je dis une bêtise, mais normalement c'est ça. À l'aide, ah, on part sur un à l'aide. Attaque de cochon. Bien passé, ma gueule. C'était le dernier. Le village est sauf. Pour l'instant. Oui, tu m'étonnes, ils ont senti le cochon. Piontek. Ouais. Je sais ce qui est arrivé aux gens d'ici. Ils sont victimes d'une malédiction. Ah bon? Et ça peut s'arranger? Oui, mais je vais avoir besoin d'aide. D'accord. De l'or a été volé. C'est ce qui est à l'origine de la malédiction. Tu sais où il se trouve? Ouais, je l'ai bien caché. Eh bien, il va falloir le rendre. Et tous les villageois devront être présents à ce moment. Pourquoi ça? Récupère l'or pendant que je rassemble les cochons. On se retrouve au moulin, et de là on va à la cochonnerie. Ça devrait marcher. On va les sauver? Fais chercher l'or. Comment diriger ces cochons? Axi, peut-être? Tu veux que j'axie tous les cochons? Moi j'aurais sorti la clochette pour la chèvre. Trop rigolo de réutiliser la clochette de la chèvre. Bon. Allez au moulin et attendez-moi là-bas. Bon, ça va. Finalement, c'est tranquillou. Et franchement, réutiliser la clochette, ça aurait été trop bien. Par ici, cochonnet. Sur des vraies vannes, hein. À tout le monde. Sauf Igor. Igor est déjà sur place. N'oublie pas, quand on arrive, remets bien l'or où il était. Vous conduisez les cochons, moi je coltine et je dépose. Allons-y, en avant. Oh, attends, va falloir faire une escorte de cochons là. Ah non, mais j'ai rien dit en fait, c'est le début du calvaire.
Allez, du jarret. Ah, du jarret, mais en serré, bande de couillons. Oh, on n'est pas arrivé avec une bande de jambon pareil. Voilà ce que j'attendais, ils sont là. On va passer à côté de mes potes les ghouls. Je vais me gérer ça tout de suite. Ah non, ils ont fait des pop les ghouls. Et ça, c'est rigolo. Une seconde. Comment ça, des yeux là? Ah, on fait vraiment ça jusque... D'accord, ça va. Bien. S'emballons pas. Faire un décompte des bons hommes. On est presque tous là. Merci à vous. Cheveux blancs. Remerciez Yontek. Il m'a bien secondé. Mais c'est Yontek qui a fourni la clé. Il savait sûrement que l'or était maudit. Il n'a pas voulu venir avec nous. Mais je... C'est Yor ! Yor qui a voulu ! Tu t'en tireras pas comme ça, fumier ! Prends ça ! À l'aide ! Le premier qui lève la main sur Yontek, je le raccourcis. Allons, allons, faut pas s'énerver. Il en est capable, ce drôle d'oiseau. Filons, et vite ! Oh ! Merci. Il ferait mieux de te trouver un autre village. Dans celui-ci, ça pourrait mal finir pour toi. D'accord. Je vais faire comme ça. Bon vent à vous. Le mec a vraiment pas de chance, quoi. Le mec, personne ne l'aime. Bon, bah, il me reste plus qu'à voler l'or. Il me reste plus... Est-ce qu'on a la possibilité de voler l'or? Oh, le jeu, il est pas rigolo. Oh, allez, le jeu. Moi, je veux faire le reste de la quête en cochon. Là, si Yennefer, elle aime les porcs. yes, lumière, en fait. Hein. Plein de lumière. Comment ça, c'est... Pourquoi c'est pas grisé? Ça, ça me rend fou les grottes qui se grisent pas, quoi. J'ai l'impression que du coup elles sont pas faites. Elles sont pas faites. Je vois que dalle.
vois rien du tout. Ah là. Là il y a un truc où... Ok. C'est bon, j'ai. Il y a un coffre au fond. Que dalle! Ok, là on est sous le pont, là je vois quelque chose. Ok, là on est à la surface, c'est bon, merci, au revoir, on peut se tirer. Ouais, c'est là. Donc, je devrais y jouer dans le noir, hein. Comme pour un film d'horreur, finalement. On devrait jouer dans le noir, on y verra peut-être quelque chose. Elle est toujours pas faite la grotte, hein. Officiellement, il reste des trucs dedans. Ça, ça me rend dingue. Pourtant, les cavernes, ouais, c'est ça, elles se grisent quand elles sont terminées. Hein. Donc, j'ai oublié un truc dedans. Question, quoi ? Pareil, hein, celle-ci, je suis censé avoir oublié un truc dedans. Je piche pas tout. Je sais pas ce que j'ai oublié. Si jamais vous savez quoi, bah vous hésitez pas, vous me le dites. Quoi qu'il en soit, nous allons méditer. Cet endroit sous la pluie me paraît parfait. Oh là là, c'est Dive Gardien quoi. Je suis chevalier Dive Gardien, impressionnant. Tiens, hop, jusqu'à l'aube. Chut. Ah, est-ce que j'ai aussi une semaine à faire écouler pour aller récupérer une prime quelque part. Donc voilà. Je vous remercie. C'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming pour The Witcher 3 et je vous dis à la prochaine. Ciao.